Hello à tous, et là dans cette vidéo, on continue sur les diagrammes de phase, mais cette fois on monte d'un cran. Maintenant on s'intéresse au diagramme ternaire et on va travailler dans des systèmes à trois constituants. On va regarder comment décrire la cristallisation d'un liquide silicaté dans ce type de système. On va commencer par un diagramme ternaire relativement simple, c'est le système diopside, forstérite, anorthite. Alors d'emblée, je ne devrais pas dire les choses comme cela. Le diopside, la forstérite et l'anorthite, ce sont des noms de cristaux, ce sont des phases minérales solides. Est un système, cela se définit d'abord par des constituants. Et dans le cas présent, les constituents, ce sont des formules chimiques comme CaMg et CdO6, Mg2 et CO4 et CaAl2 et CdO8. Mais bon, ici je vais faire une entorse, et par commodité, je vais utiliser les termes de diopside, forstérite et anorthite pour désigner à la fois et en même temps le constituant et la phase minérale qui lui est associée. Alors le système diopside, forstérite, anorthite, c'est quoi son intérêt? Eh bien, il représente assez bien en première approximation les roches basiques, comme les basaltes ou les gabbros. Vous avez un pyroxène, une olivine et un feldspath. Ce sont trois minéraux très communs dans les roches magmatiques, et de plus, ce sont trois minéraux très différents dans leur structure cristalline et chimique. Les olivines, ce sont des tétraèdres SiO4 isolés les uns par rapport aux autres, ce sont des nésosilicates. Les pyroxènes, ce sont des tétraèdres en chaîne, ce sont des inosilicates. Et les feldspaths, ce sont des tétraèdres SiO4 et TaLO4, interconnectés par leur sommet, ce sont des tectosilicates. À cause de toutes ces différences d'organisation à l'échelle atomique, ces familles de minéraux ne forment pas de solution solide, ils ne se mélangent pas entre eux, et si on regarde les systèmes binaires, vous en avez trois, et pour les trois systèmes, vous avez des systèmes binaires eutectiques, avec les solidus qui sont confondus avec les axes verticaux, et les cristaux que vous faites précipiter, ce sont des phases pures. On va commencer par le système diopside forstérite. C'est pas marqué, mais les températures, elles sont en degrés Celsius. La forstérite, c'est le minéral le plus réfractaire. Voyez sa température de fusion, elle approche les 1900 degrés Celsius. Et vous avez un eutectique très décalé vers le pôle diopside. Puis vous avez le système diopside anorthite, sur lequel on a déjà travaillé dans cette vidéo, et qui est un grand classique. Et enfin, vous avez le système forstérite anorthite. Alors le système forstérite anorthite, en fait, cela n'est pas un vrai binaire. Parce que vous allez former ici un spinel de formule Mg Al2O4, et pour ce minéral, cette formule chimique, elle ne peut pas s'écrire par combinaison linéaire des formules de l'anorthite et de la forstérite. Donc ce système binaire n'est pas un vrai système binaire. Alors on va faire comme si le spinel n'existait pas, et on va négliger le spinel, et on va travailler avec un diagramme simplifié. Alors petit rappel préalable, dans cette vidéo, on va faire de la cristallisation à l'équilibre, c'est-à-dire que je suppose que les cristaux, ils rééquilibrent en permanence leur composition chimique avec le liquide résiduel. Alors pour cette vidéo, je vais utiliser ce site qui est très bien fait. Et dans ce diagramme, vous avez des informations importantes. Vous avez les isothermes du liquidus. Le liquidus, dans un diagramme ternaire maintenant, c'est une surface. Et la meilleure manière de visualiser cette surface, c'est par des courbes de niveau, c'est-à-dire des isothermes ici. Et vous avez des lignes fléchées en gras, c'est ce qu'on appelle des lignes cotectiques. Et le long de ces lignes cotectiques, vous avez cristallisation de deux phases minérales en même temps. Ces lignes cotectiques, elles partent des points eutectiques des systèmes binaires et elles se rejoignent en un point qui est un point eutectique ternaire. Et ce point eutectique ternaire, il marque la température de cristallisation la plus basse qui peut être obtenue lorsque le liquide résiduel atteint la composition indiquée par ce point eutectique. Dit autrement, si je fais une fusion d'une roche constituée de diopside, d'anorthite et de forstérite, le premier liquide qui va apparaître, c'est au point eutectique ternaire. Et quand vous parvenez à réchauffer votre roche au-dessus de la température eutectique, dans un premier temps, votre liquide, sa composition, elle va suivre une ligne cotectique. Et ce liquide de fusion, il va être produit par la fusion de deux minéraux en même temps. C'est pour cela que l'on parle de cotectique. Pour revenir sur le point eutectique, au point eutectique, vous faites fondre trois minéraux en même temps, et cela dans des proportions qui sont bien fixées. Alors dans ce diagramme, vous avez trois lignes cotectiques, et un point eutectique ternaire. Le point eutectique, c'est le point le plus bas de la surface du liquidus, et cette surface, elle est découpée par les lignes cotectiques. Et ces lignes cotectiques, elles forment des vallées dans la topographie du liquidus. Voyez le liquidus, vous avez des sommets au niveau des pôles des constituants, vous avez des vallées, ce sont les lignes cotectiques, et vous avez le fond de la dépression, c'est le point eutectique. Alors, on va prendre un exemple. Cela sera beaucoup plus clair. On va se choisir une composition, disons 50% poids forstérite, 35% poids diopside et 15% poids anorthite. On place ce point sur le diagramme ternaire. Et à 1660 degrés Celsius, le premier cristal qui précipite, c'est de la forstérite. Et quand je refroidis,
on va cristalliser de plus en plus de forstérite. Le liquide résiduel, je peux suivre sa composition sur le diagramme ternaire. Et c'est un liquide qui va s'appauvrir en constituant forstérite. La composition du liquide résiduel, elle va donc être guidée par la droite que je trace entre le point grand A et le point grand B. Et la composition du liquide résiduel, elle va aller du point grand A au point grand C. Le point grand A, c'est la composition du liquide de départ. Le point grand B, c'est le pôle du constituant forstérite. Et le point grand C, c'est le point qui se trouve à l'intersection de la droite grand A, grand B et de la ligne cotectique entre la forstérite et le diopside. Le point grand C, je vais mesurer sa composition, elle est d'environ 30% anortite, 10% forstérite et 60% diopside. Et quand le liquide résiduel atteint le point grand C, on est environ à une température de 1330 degrés Celsius. Voyez, ce sont les isothermes qui me le disent. Je vais faire un bilan de masse et si au point A j'ai 100 g de liquide, eh bien au point grand C, j'ai 56 g de liquide et 44 g de forstérite. Phase, c'est la règle du levier qui me le dit. Et je fais le bilan ici. Je continue à refroidir, mon liquide résiduel, il descend la vallée dessinée par la ligne cotectique et il atteint le point E tectique que je vais appeler grand E. Grand E, sa composition est donnée ici et je vais dessiner la droite grand A, grand E. Cette droite, je vais la prolonger jusqu'au point grand F sur le côté diopside forstérite et grand F, ce point, il m'indique la composition chimique totale des cristaux que j'ai formés depuis le début et juste avant d'atteindre le point E tectique. J'applique encore la règle du levier et je fais le bilan de masse pour cette deuxième étape de cristallisation. Et j'obtiens ceci. Mettez la vidéo sur pause pour refaire les calculs. Et enfin, au point E tectique, je suis à une température minimale, je suis à 1270 degrés Celsius, je suis à une température constante et fixée, et là, je vais cristalliser pour la première fois de l'anortite, en même temps que du diopside et de la forstérite. Et le bilan de masse, il peut être établi comme ceci pour la cristallisation au point E tectique. Et avec une règle de 3, sur 100 g de liquide tectique, je peux établir ce bilan de masse comme cela. Et ici, je fais la synthèse de cette cristallisation à l'équilibre de ce liquide silicaté dans le système forstérite diopside anortite et j'obtiens cela. Donc là encore, je vous conseille de mettre cette vidéo sur pause pour refaire les calculs. Bon, là, je ne traite pas d'autres exemples. Si vous changez de composition, la démarche elle reste exactement la même. Mais simplement, ce qui peut changer, c'est l'ordre des cristaux qui vont cristalliser. La composition, elle détermine la nature du premier cristal, qui va précipiter au liquidus. Cela va aussi déterminer quelle ligne cotectique va être utilisée. Pour cela, je dessine les droites qui partent du point eutectique vers l'épaule. Et voyez, par exemple, dans ce secteur, pour ces compositions, je vais utiliser le cotectique diopside forstérite. Et si je suis ici, eh bien, cela sera du diopside anortite. Et dans tous les cas, je termine sur le point E tectique avec cristallisation simultanée des trois phases minérales, anortite, forstérite et diopside. Alors maintenant, qu'en est-il de la fusion? Donc là aussi, je me mets dans le cas d'une fusion à l'équilibre, c'est-à-dire que les cristaux rééquilibrent leur composition avec le liquide de fusion. Et là, les choses sont tout à fait réversibles. Si je reviens sur mes pas, je retrouve le point de départ. Alors attention, cette hypothèse elle est rarement réalisée dans la nature. Les processus sont souvent irréversibles et dans la nature, si vous revenez sur vos pas, vous ne retrouvez pas votre point de départ. Donc pour une fusion à l'équilibre, vous avez trois étapes. La première étape, c'est la fusion au point eutectique avec production d'un liquide de composition constante en consommant les trois minéraux constituant votre roche, diopside, forstérite, anortite. Et vous faites cela à une température constante. Puis la deuxième étape, c'est la fusion le long d'une ligne cotectique. Alors, il faut déterminer quelle ligne cotectique choisir, puisqu'ici, vous en avez trois. Je vois que la composition globale de ma roche, elle est ici, donc je vais partir sur cette ligne cotectique jusqu'à consommation totale de mon diopside. Et ça, je le saurai quand mon point sur la ligne cotectique, il se trouvera sur la droite passant par grand A et mon point grand B, qui représente le minéral en excès. Et la troisième étape, cela sera justement le long de cette droite, où je consomme la dernière espèce cristalline qui reste. Alors, la conclusion finale est très intéressante sur ce diagramme ternaire. Vous voyez, si vous partez d'une roche ayant une composition dans ce domaine,
olivine plus clinopyroxène plus plagioclase, eh bien vous avez une péridotite. Et si vous la faites fondre partiellement, le premier liquide que vous allez obtenir, c'est un liquide silicaté riche en clinopyroxène et en plagioclase. Et si vous isolez ce liquide de la roche de départ, vous obtenez un magma basaltique. Et si vous continuez la fusion partielle jusqu'à atteindre la ligne cotectique, eh bien cela sera la ligne cotectique diopside plus forsterite. Et là, vous produisez un magma qui vous donnera un basalte à olivine. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. À bientôt.